Ce samedi 1er mai 2010 fut un bon week-end réussi pour ce championnat de France de savate boxe française à Saint-Andoré dans cette petite commune de Bretagne où Koulibaly Sega disputait la demi-finale super léger en moins de 65 kg contre Hassen Zadeh Sharif. La savate boxe française a reçu toutes ses lettres de noblesse et parmi ces jeunes champions, certains sont un vrai symbole. Et ceci est loin d'être une fiction. Écoutez un peu. Né à Kaboul en Afghanistan, réfugié au Pakistan avec ses parents, Sharif Hassen Zadeh, présent ce soir au championnat de France, décide à 14 ans de partir clandestinement vers l'Europe pour un voyage de 3 mois. Il est abandonné par ses passeurs dans le nord de la France, à Tourcoing. Et ne parlant pas un mot de français, il se retrouve dans un foyer de jeunes mineurs. Il obtient 3 ans plus tard un titre de champion de France espoir de boxe française. Ceci n'est pas une fiction dans la boxe française, mais bien une réalité. En ce jeune champion, Sharif Hassen Zadeh, il est le symbole de l'immigration réussie et ceci est incontestable. Et il gagne le respect de ses pairs et devient de ce fait un représentant de la boxe française. La savate boxe française est une grande famille et il entendra ces paroles du champion franco-iranien Mayar Manchipour. Tu as désormais une mission que je te demande d'avoir sans cesse à l'esprit, celle de respecter les traditions, les coutumes et l'histoire de cette terre d'accueil, celle de participer à son développement présent et futur. Sharif Hassen Zadeh, un digne représentant de la savate boxe française, le symbole de l'immigration réussie, aujourd'hui, ce qui est certain, il devra se surpasser devant Koulibaly Sega, excellent sportif de son niveau, et à la fin, la sentence sera irrémédiable, il n'y aura qu'un seul gagnant. Thank you.